Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Donc je regarde mes cheveux, ça c'est catastrophique. Crac, voilà, c'est encore pire, c'est pas grave. Bla bla bla, voilà, c'est bien. Comme ça c'est bon. Revenons d'une session publique, sachant que je suis encore en train d'uploader la vidéo d'hier. Non, non, surtout pas. Y a des tines rouges, y en a pas de rouge, merde. Ok, bon, on est toujours au même endroit, chers amis. On va continuer à améliorer un peu cette zone. J'aimerais bien récupérer des accessoires pour fusil d'assaut et sniper. Lunettes numériques. Ouh. Fusil d'assaut. Ouais. Fusil d'assaut, caisse d'armement. Ah, ça pourrait être intéressant. Compensateur pour mitrailleuse. Pff, pas besoin d'un compensateur pour une mitrailleuse. Poignée pour tout. D'accord. Ok. On va quand même aller voir ce point, chers amis. Pourquoi? On va aller récupérer les dernières infos qu'on n'a pas pu choper encore. Hop, radio rebelle à proximité. Je me trompe de bouton pour. Attention, la Santa Blanca est présente en force. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Pouf. Putain, mais je rêve. C'était un contact. Cible multiple. Pas un bruit. Yo no he hecho nada. Suéltame, güey. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Il y en a encore un dans le coin. Ou alors c'est le mien. Attendez, je teste. Crac. Ah, c'était le mien. D'accord, je l'avais pas encore repéré. C'était vraiment pas la peine. Oh, mais t'arrêtes de me dire ce que je dois faire. Crac. Bon, c'est pas grave. On va aller chercher notre intel. Et on va pas s'emmerder. Ensuite, on va peut-être faire la radio rebelle. Ce sera fait. Oh, monsieur l'intel, bonjour. Hola, amigo. Vous avez des infos juteuses. Raid logistique, s'il te plaît. Gracias. Bonne chance. J'espère que quelqu'un. Merci. Radio rebelle, c'est parti. L'hélico logistique du cartel qu'on va livrer aux rebelles. Allumez la radio, puis tuez tout le monde. J'ai deux sicarios sans visu. Pouah, ils sont loin. Ils sont loin. Rezus dans Santa Maria. Wow. Qui c'est qui a une si bonne vue? Rejoins la position. Cible marquée. Voilà, ça c'est fait. Où qu'elle est la radio? Oh, está bien. Ok, je souffle, j'allume la radio. On va écouter de la musique. La musique, oui, la musique. Y'a un hélicoptère, y'a un hélicoptère, y'a un hélicoptère. Merde, je me trompe. Ok, mitrailleuse, laquelle? La Lamativo, elle a l'air sympa. Plus bling bling que bang bang. D'accord, bon, on va bien voir. Ah bah y'a plus d'hélicoptère. Cette vexation. C'est quoi qui nous... C'est l'hélico. Bah y'en avait bien un alors hein. Merde. Putain il me fait mal ce con. Ah la vache. Il fait atrocement mal. On a déjà... Ah non c'est moi qui suis à terre. Je croyais qu'on avait déjà un coéquipier à terre en plus. Par contre, c'est vrai que la mitrailleuse a pas fait autant, a pas l'air de faire autant de dégâts que la précédente. Oui, bah je te donne pas deux secondes, je demande de venir tout de suite. Puisqu'en fait, on a des ennemis qui arrivent aussi en bas, là. Ah mais merde, mais laissez-moi. Pourquoi je me fais focus? Mais je suis à l'abri derrière un truc. Je serais curieux de voir les killcams.
Je suis allongé derrière un objet et je me fais quand même tirer dessus. C'est quoi ce bordel? Bon, alors déjà la mitrailleuse a pas l'air tip-top. Faut le dire. Donc, mitrailleuse, on reprend l'autre. L'autre était 100 fois mieux. Finalement. Est-ce que je peux l'améliorer? Bon, elle a l'air déjà plutôt bien améliorée, hein. C'est-à-dire pas du tout. Mais bon, elle a plus de gueule. Ensuite, il va falloir que je me trouve une plancounette. Je peux rentrer? Merci. Hop, ok. Merde, on a de la compagnie. Ils peuvent vous réanimer une seule fois par combat. Ah, d'accord, ok, merci. Munitions, putain. Où elles sont? Où elles sont? Mais putain, elles sont dehors. Ouais, elles sont là. Allez, ah bah je suis déjà full. Putain, je fais tout ça pour rien, c'est pas grave. Ok, on allume. Voilà. Wow, 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 wow. Pouah, wow, la vitesse. La vitesse à laquelle je me suis fait rect. C'est incroyable. Voilà. Ils sont en train d'exploser l'émetteur. Voilà. Ah la vache. Bah bon. Ça passe pas, hein. C'est incroyable la différence de difficulté. J'ai l'impression que je joue à un autre jeu, quoi. Oh, il est beau son flingue. Vache. Bon, par contre, ouais, j'ai vraiment l'impression de jouer à un autre jeu. C'est assez incroyable. Donc. On a des ennemis sur zone. Je revérifie au niveau des munitions, mais normalement c'est bon. Voilà. Crac. Allez, on recommence. Cette fois-ci, on se trouve une planque. Ok. L'hélico est détruit. J'engage l'ennemi. Ok. Elle est bien, je t'attends. Ton copain, il est où? Oh putain, mais qu'il est con. Bon, tu t'en sors? Mais il est où le mec? Oh la vache! Mais regardez, regardez d'où est-ce que je me prends. Ah c'est putain, c'est Lily. C'est quoi qui m'a tué? Alors je comprends pas, en fait j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que je me fais tirer à travers les objets. Est-ce que j'ai pas compris peut-être, hein, c'est possible hein. Mais là, pour le coup, je suis surpris. Désagréablement surpris. On va reprendre la position de tir qu'on avait au tout début. Et on va essayer de canarder à coups de grenade et tout ce qu'on a de mortier et tout.
On va essayer de tenir la position, en tout cas par l'avant. On va laisser nos potes s'occuper de l'arrière, je pense. Mais là, pour le coup, assez incroyable. Et assez long comme chargement d'un seul coup aussi, je trouve. Ce qui est inquiétant. 95%, 100%, c'est bon. Ok, on retente une dernière fois. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais ouais, ça m'inquiète pour la difficulté du reste du jeu. Allez, on a 3 minutes à tenir. C'est rien à 3 minutes, hein. Ok. Mais oui, je suis à couvert. Sur quoi tu tires, toi? Voilà, l'accessoire est monté, là, c'est bon. What? J'ai l'impression que je meurs 6 ans après, c'est incroyable. Après, je veux bien reconnaître, là je suis... Voilà, bon, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pour une raison inconnue, elle passe pas. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ça passe pas. C'est juste que ça passe pas. Il y a aucune planque qui ne soit viable. Bon là, ok, j'ai joué au con là. Tu vas t'en tirer, tu m'entends? Je suis presque là. Non, tu veux bien? Putain! Le mec il a survécu quoi! Enfin bon, c'est pas grave. Allez, soigne tout le monde, c'est bien. Bon, pour le coup, cette mission passe pas. Allez comprendre. Mon sniper. Merci. Crac. Ok, bon bah, passe pas. J'ai pas d'autres termes là pour le coup, chers amis. Hein. À part passe pas. Alors on avait cru voir, il me semble que c'était par là, un bon fusil d'assaut qui pourrait être sympa. Une lunette. Et une lunette. Ou alors on change de région. Là c'est une région niveau combien? Niveau 2, production Okoro, ça peut être sympa. On y va. Je suis engagé dans un combat. Ta grenade, tu te la gardes. Une cible avec des pistolets mitrailleurs. Désigne une cible. Attention aux civils à côté. Apparemment, il y a des gens par là-bas qui me regardent. Voilà, lui m'en gardera plus. Oh, je l'ai mal joué. Il tremble encore énormément, hein, je veux pas dire, mais... Regardez. Regardez! On est encore traqué parce que là-bas, il y a quelqu'un qui nous cherche. Mais alors, où est précisément, exactement? Personne ne le sait.
Si, potentiellement là-dedans, c'est ça. Oh. Petit con. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention. Petit con. Tu sais quoi, on va tenter un truc, petit con. Qu'est-ce qui passe pas en fait là? Bon, il veut pas mourir hein. Voilà, t'es mort là? C'est bon? T'es sûr? Ok, bon. On peut y aller, chers amis. On se bouge le fion et on se déplace. Nouvelle région. Puerto Grande est juste à côté. On va bien voir. J'avais pas envie de rester dans une région où il n'y a pas d'histoire, en fait, pour le moment. On ira rechercher ce qu'il faut quand on aura besoin, si jamais on a besoin. Mais pour l'instant, cette mission, cette zone, n'est pas extrêmement intéressante et je vais malheureusement avoir d'autres jeux derrière à jouer aussi. Ouais, c'en est une bleue? Non, c'en est une noire, en fait. Elle est sympa, là, le symbole. D'accord. Le plus gros conducteur de cocaïne, d'accord, si tu veux, oui. Peut-être commencer par aller là. Et je vais y aller en moto. Parce que c'est rigolo les motos. On est parti. Pour l'instant, je vais pas reprendre d'hélico parce que j'ai cru qu'il y avait un bug la dernière fois. Donc. Oh là. Oh la vache. Le taquet la bécane. Hein. Je veux pas dire, hein, mais. Oh, c'est rigolo comme. Comme région. Oh, dis donc. Comité de pêcheurs avec. D'accord. Occupé par le cartel. J'ai repéré un capitaine. J'ai une cible en visuel. Par contre, il y a du monde autour. Contrôlez vos cibles. On a des civils sur zone. Bien sûr, mobile. Reçu, cible désignée. Je vois deux narcos sur zone, à côté de la décharge. Très bien passé. Ça s'est très très bien passé. On va rester là. Je déploie le drone. Bah dis donc, moi qui m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un ici justement. Je vois une troisième cible. Cible désignée, mais attention aux civils à côté. On arrive à 5. Cette bagnole a une alarme. Ok. Cette bagnole a une alarme. Et là on voit un autre, non? J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Sicario en visuel. Là, près du container. Près du container. Ok. Et sûrement d'autres dans la maison. Je désigne un capitaine. Il en reste un dans le coin. Il en reste un dans le coin. Que je n'ai pas vu. Le v'là. Plus un autre. Ici, parfait. Je les ai tous. Maintenant on devrait pouvoir être à même de rigoler. Si j'arrive à prendre cette maison, je peux faire un nombre de kills complètement incroyable. Elle a foutu les boules, monsieur. La fenêtre ? Recule, tu risques de te faire voir. Cool.
putain, on a été vu. C'est bon, tout va bien. Ok, on peut souffler. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vais l'assassiner par derrière. En douceur. Voilà. Tout va bien. Il approche, c'est rien. On est soupçonné, tout va bien. On a aussi le bug de... Oi, cabron. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok, ça va, on est tranquille. Tout va parfaitement bien. C'est pas la meilleure des endroits. Il va longer le mur. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. On est soupçonné, on est soupçonné. Tout est relatif. Hein. Hop, tout va bien, tout va bien. Je ne vois aucun problème. J'ai trouvé une décoration du cartel. Ouais, 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 c'est rien. Vas-y, prends-la. T'emmerde pas. Merci. Mine. Ah, j'ai accès aux mines. Ça y est. Prendre des munitions. Il y a une superbe Lamborghini. Mis à part ça, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Je ne me sens pas du tout en danger. Peut-être parce que je le suis pas. Bon, tant pis, on va pas se faire les trois derniers, après tout, on en a pas besoin. Salut les filles! Comment ça va? Bonjour, señor! Je voudrais bien les points de compétence! Merci! Ouais! Ça, c'est bon, ça. Au passage, au niveau des points de compétence, j'en ai pas un. Ça met dans l'ambiance. Ok! Donc. Est-ce qu'on n'a pas un deuxième Intel dans le coin? Ici. Ah! Dans Puerto Nuevo, la nouvelle Puerto? Je sais pas. Je balance un truc au pif. On va se téléporter juste à côté, on va prendre l'Intel. On va, au passage, un petit peu fouiller la zone. On va bien voir ce qu'on va y trouver. Hein. Je crois qu'on a un point de compétence à aller choper dedans, donc ça peut toujours être ça en plus. Hein. Ah, mais c'est... Ah! Mais ça, ça me parle! Conduire. Ça me parle! Allez, les filles. Bah. Oh là là, vous êtes vraiment pas doués, les mecs. Hein. Bon, allez, on y va. Oh, 10 poissons. Alors, vous voyez, cette ville est vraiment beaucoup plus complexe à appréhender. Parce que vous voyez qu'on est, en train, on doit monter à l'heure actuelle. Là, j'aimerais bien savoir
quel genre de menace j'ai juste ici. Une cible. Attention aux civils à côté. Ok. Tu n'as rien vu. C'est bon, tout va bien. Ouais, ils n'ont rien vu. De toute façon, il s'est strictement rien passé. Oh la vache. Bon, je les vois pas donc. Mais tais-toi, je viens vous sortir de là, moi. Un sicario, il se trimballe avec un PM. Ok. T'as potentiellement quelqu'un chez toi, c'est ça? Caisse d'équipement. Donne-moi des snipes, de tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a juste là. Une nouvelle arme de poing, faible recul et forte pénétration. Ok. Cross compensé pour un fusil de sniper. On va aller la chercher. Fusil d'assaut maniable, d'accord. Pistolet mitrailleur. Ouais, c'est pas un fusil d'assaut, c'est un pistolet mitrailleur. C'est pas pareil. Ici, on avait un point de compétence. Ok. On a combien d'accessoires? 4. Accessoires WAM, 4. D'accord. Caisse d'armement, 3. Fusil d'assaut, ça peut être intéressant. Viseur laser. Oh! Oh, le M1911. J'aime beaucoup. Voilà, le pistolet des tireurs par excellence. C'est un classique. C'est un classique. Ok. Bon, bah... Ah, il y aura quelque chose ici aussi à prendre. Oh, bah non, dans la même... arme de poing, chargeur agrandi. Oh! Oh, ça me plaît. Bon, alors on a plein de choses à aller choper. Ça, en l'occurrence, ça va être utile, mais pas finalement celui qui nous comprendra. Donc je pense qu'on va plutôt partir pour... D'accord, c'était Cardita, ok. Je comprenais pas ce que c'était. On va plutôt partir pour celui-là. Clairement, hein. Je regarde juste si dans la zone, il n'y a rien. Dans la zone, il n'y a strictement rien. Par contre, à côté du point, on a un point de compétence qu'on va aller chercher au passage. On va peut-être y aller en bécane plutôt qu'en hélico parce que j'ai toujours les boules au niveau des hélicos. Je suis désolé, mais j'ai vraiment pas envie que la partie crache et replante. Voilà, je sais qu'il y a des bécanes, on va prendre celle-là. Je veux la moto. Je veux la moto, ben voilà. Écoute. Ennemi sur zone, attention. Putain, oui, je pensais qu'ils étaient sur une route, mais non, même pas. On reste en mouvement. Crac. Et là, dans le tas que je n'ai pas vu. Le voilà. Bah écoutez, ça fait un bon petit paquet de cibles. Traqué ? Sors quand ? Ils m'ont vu ? Voilà. Ouf, alors celle-là était passée au coin de la... Problème résolu. Eh ben putain. Ouais, ouais, t'inquiète. Vous êtes encore une fois d'une grande aide, les amis, merci. Merci du fond du cul. Et sinon, je peux rentrer dans ce bâtiment ou... Ou pas? Frag lancé, attention les yeux.
Ou pas. C'est quoi ce bâtiment? Ah putain, ça se trouve. Ah, attendez. Ah non, même pas, hein. Là, je tombe pas? Non. Putain, c'est un bâtiment d'histoire, je m'arrête pour ça, quoi. Bon, c'est pas grave. 3 km à pied, ça use, ça use. Je prends un tracteur. Ça usera moins mes pieds. Puis le temps que vous réclamez le tracteur. On se retrouve plus tard. Bon bah ok, on se retrouve plus tard alors. Oh là là. Oh, oh cette position. Cette vitesse. Putain, ce dérapage en tracteur. Je croyais pas que c'était possible. Mais en fait si. Oh nom de Dieu. Oui. C'est bon. On a rejoint la route. Je coupe les phares parce qu'on est on est des fous. Je rallume. Je rateins. Je rallume. Je rateins. Bon bah voilà. Farming Simulator, on y est, hein. On l'avait réclamé, non. Non, vous l'aviez pas réclamé, merde. Unidad devant. S'il tourne, je vais pas avoir l'air con, non, c'est bon. Ah, ah bah oui. L'orage et la flotte, bah oui, mais tant qu'à faire. Oh putain, je vais rattraper l'unidad avec un tracteur. Vais-je rattraper l'unidad avec un tracteur? Telle est la question. Poupi, 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 pou. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils me voient pas. Ah ah, des ennemis. Vont-ils me voir? Vont-ils m'entendre? Vont-ils me sentir? Même pas. Trop nul. Comment d'autres ennemis un peu plus haut vont-ils me voir dans mon véhicule de camouflage? Bah non. Hello. Je double une voiture. Putain, je l'ai niqué dans le virage. Je l'ai tellement niqué dans le virage. Oui, oui, encore une. Encore une, je vais la doubler. Je vais la doubler. Et je vais tricher. Tant pis. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Tu l'as dans le fion. Tu m'as pas vu venir, j'avais coupé mes phares. Ah ouais. Oh là, ça va monter encore plus. Parce que c'est pas que ça fait loin, mais ça fait loin quand même là, hein, le tracteur. N'empêche que je suis en pole position. Tout le monde est derrière, personne est devant. Ah, je vais partir à droite, ça vous dérange pas. Voilà. Salut. Ouh. Bon, peut-être que le temps va se calmer aussi au passage, ce serait cool. Où est-ce qu'il est le virage? Il est là, ok. Salut. Coucou. J'ai pas de klaxon, désolé. J'aimerais mais j'en ai pas. Oh merde! Oh merde! Je l'ai pas vu! Voilà pourquoi faut allumer les phares! Voilà pourquoi faut allumer les phares! Pour voir les civils sur le bord de la route! On les voit qu'au dernier moment en plus, c'est la blague! Ok. C'est la descente, on devra accélérer. Point de contrôle. Comment ça, point de... Des ennemis vont-ils me voir? Camouflage! Déploie les panneaux rétracteurs! C'est bon? J'avais laissé les phares allumés. L'erreur. L'erreur, chers amis.
Il a fait une erreur. Et il veut la payer cher. Il devrait peut-être tenter une descente. C'est parti. Grappillons du temps. Fais gaffe à mon tracteur. Mon John Deere. Merde. Oh la vache. Ah, je pensais pas qu'il y aurait autant de cailloux. C'est bon, on a libéré des cailloux. Merde, j'allais dire qu'on a libéré des cailloux, mais non. Ok, passage pour piéton. Oula. Jamais je n'ai vu telles acrobaties en tracteur. Le problème, c'est que je me demande ce qu'il y a devant. C'est un grand champ qui est devant, une grande plaine? Parce que si c'est des marais ou un truc comme ça, je suis dans la merde. Yo, oh, j'ai cassé des choses. J'ai perdu des bouts de tracteur, merde. Il y a du bétail! Il y a du bétail! Je suis dans mon élément! Mon dieu! Mon élément! Ok. Mon tracteur est chez lui! Mon tracteur est à la maison! Rancho el altiplano verde, maque. J'ai lâché le tracteur. Ouh, je prends l'équipement. Oui, je l'ai. Ah, actuellement j'ai ça comme pistolet, chers amis. Bon, il est mignon, hein, mais bon. Mais là, je vais avoir ceci. Et là, on arrive sur un truc d'une classe beaucoup plus certaine. Il n'y a pas des trucs sympas avec ça, non? Non. Pas aléatoirement, je veux le peindre. Je veux le peindre en... avec une couleur qui se verra pas. Oh, ah non, je l'ai pas. Ah oui, c'est vrai, faut payer pour ça. Accéder à la boutique pour payer cet objet. Non, ben on va le peindre en noir. Voilà, ça va pas me faire chier. On va faire des kills avec parce que ça va pas me faire chier non plus. On va juste verrouiller le nombre de cibles. Je crois qu'on les a énervés. Voilà, problème résolu. Bah, il est bien ce petit flingue. Ok! Ah, je devrais peut-être pas prendre l'hélicoptère. Je sauvegarde. Il y a moyen de sauvegarder là-dedans? Je m'en rappelle plus. Eh, apparemment pas! Aïe! Aïe! J'ai vu un viseur tout à l'heure aussi. Ah, ça c'est bien ça aussi, ça. Il y avait pas un viseur quelque part! Il cru voir un viseur quelque part. Cross. Ah, ça c'est intéressant aussi. Ça c'est intéressant aussi. C'est pas celui qui m'intéresse pour le coup. Pistolet mitrailleur, ça m'intéresse toujours pas non plus. Ok, bon. Là on a quoi? Non, c'est pas là qu'on avait la crosse de... si on a la... Ah, là c'est un truc intéressant aussi là. Puis on a un intel juste à côté. On y va. On va terminer l'épisode là-dessus, chers amis. On va terminer l'épisode là-dessus. C'est parti. Allez, hop. Ok, bon. Ça devrait pouvoir se faire. Je sais pas jusqu'où il va se cracher en fait, là, c'est ça le truc. Présence ennemie dans la zone. Et j'ai pas vu où est-ce qu'il s'est craché, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on va aller scanner un... Ah bah... Non, ça c'était le tonnerre sans doute.
Des bestioles. Station et science via Bigas. Ok. Ok, apparemment, ils seront tous plus ou moins à l'intérieur, ce qui me semble logique vu le temps de merde qu'on se tape. J'ai repéré un sicario, solo. La pile de pneus. Ce type doit à être côté. Un chef des sicarios. Si on lui fout la trouille, ça fera flipper tous ses amis du même coup. Là, cible numéro 5. C'est rigolo parce qu'ils flottent et ils sont tous à l'abri, quoi. C'est. Ah, presque. Ils sont tous en train de cloper celui-là. Pas passé loin là. Ok. Il en reste un que je n'ai pas identifié apparemment. Le voilà. Recule avant de te faire repérer. Si, a huevo, pero eso solo cubre la salpicadura de sangre, güey. No el pinche olor a puerco. Esos cabrones de los que hablan. No se me hicieron dudas. Ils vont te repérer, recule. Quoi? Qu'est-ce que tout mochi? Merde, je l'ai buté, quel con. Quel con. Quel con. Est-ce que ça va me la recommencer ou pas? Non. Forcément que non. Putain. Fais chier. J'y vais en mode bourrin juste pour voir si ça peut redémarrer la partie ou pas. Merde. Je pensais, j'ai pas regardé la minimap en fait. Je l'ai regardé, mais qu'au dernier moment, et je me suis pas rendu compte que j'étais justement à découvert derrière avec les ennemis derrière. Mais bon, avec un peu de bol, ils vont s'occuper de tout le reste. Putain, c'était juste. Qu'est-ce que. Putain, je l'ai loupé. Je voulais viser la tête. Tiens, voir, papa. Le mec, il lui faut 3 balles dans le torse quand même. Hein. Je veux pas dire, mais. Bon, l'intel. Hop, j'enquête, qu'est-ce que c'est? Notez-moi ça. J'ai trouvé l'emplacement d'un labo de cocaïne, un vieil abattoir d'Okoro que le cartel. Pas mal! Bon, qu'est-ce qu'on attend pour aller cramer tout ça? Pas si vite. Il faut un code d'accès pour entrer dans le labo. Et on trouve où ce code? Enfin. On va dénaturer un petit peu cette arme magnifique. Ah, c'est pas le bon! Merde! Ah, je croyais que c'était le bon. Par contre, le P45, il est améliorable maintenant. Je suis sûr. Bah oui, la nouvelle arme. Ah non, cool. Cool. Bah j'ai pas l'arme qu'il faut pour. Ouais, vas-y, écoute. Hein. Ce qui est marqué, l'assistant de l'émissario le connaît. Oui, je connais les accessoires. Merci, j'ai déjà joué au jeu. Hein. Va falloir qu'on coince. Oh, il y a un intel aussi juste à côté. Cool. Bah écoute, les opérations rebelles. Tiens, vas-y, fais péter. Bouah! Qu'on peut trouver une caisse de ravitaillement si on cherche au bon endroit. Alors on est parti. Ok. Bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser là pour cet épisode. Je pense qu'on va aller attaquer cette. Ou alors on va faire tous les autres intels avant. Intel critique avant. Et on verra pour la suite. Je sais pas, on verra. Je vais y réfléchir 2 secondes. Et puis après, je vais vous dire ça dans le prochain épisode, les amis. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus sur d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.